émission spéciale, on a un invité spécial, mais tout d'abord, je vais vous présenter mon gars Kax, aujourd'hui je suis avec mon gars Kax, V9, qui va m'accompagner pour cette interview. Pourquoi les gars, tranquille? Pito, ça dit quoi? Ah ouais, t'es timide un peu là, Non, tu connais ma voix et ma fille, c'est l'émotion de l'invité. Non, t'inquiète pas. Donc les gars, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter un grand frère, Souleymane Jawara, qui a fait l'honneur d'accepter notre invitation et d'être là aujourd'hui. Souleymane, comment tu vas? Ça va et vous? On est là. Merci pour l'invitation. Merci à toi. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Si tu ne te connais pas, je vais te laisser t'introduire un petit peu. Ouais, bah écoute, Souleymane Jawara, ancien joueur professionnel, 44 ans. Et voilà, rien de spécial. Je crois qu'on rajoute que tu es une légende de Marseille et de Bordeaux. Légende, c'est un grand mot, mais. Ok, on retire ton maillot, c'est pareil. On vit trop mille. On va retracer un peu ta carrière. Donc déjà tu tombes dans le foot très jeune. Très jeune, comme nous tous, on a commencé à jouer au quartier. Exactement. Ouais. Exactement. Comme tout le monde, on a tous commencé au quartier, en bas de la maison, sur les portes de garage. Ensuite j'ai eu la chance d'intégrer un club de foot de la banlieue havreuse qui s'appelle Frileuse. Au centre de formation du HAC, j'ai passé toute ma jeunesse Sporting Club de Frileuse jusqu'à 18 ans où j'ai intégré le centre de formation. Ok, donc déjà tu viens d'être d'une famille où il y avait déjà un footeux, ton grand frère, ouais. qui a signé aussi pro. Ouais, exactement. Du coup, être un petit frère de footeux, ça rajoute une pression supplémentaire ou toi ça t'a donné la motivation justement pour le dépasser? Bah, les deux, il y a premièrement la motivation parce que quand tu vois ton grand frère, tu dis en général ton grand frère c'est ton exemple, ouais. Tu le kiffes. Et déjà à l'époque je voulais être footballeur professionnel et quand j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui a signé son premier contrat au Havre en plus et qui a ramené les premiers sous à la zombie, j'ai vu mon daron. Tu sais, mon daron c'est le daron sénégalais qui cache toujours ses émotions. Et là j'ai vu dans les yeux de mes parents la joie qui. Bon, en fait, qu'ils étaient fiers de lui, parce qu'à la base, c'était lui un peu, entre guillemets, la tête brûlée de la famille. Et c'est vrai que ça m'a motivé encore plus. Je me suis dit, moi aussi, je veux rendre mes parents fiers. Donc, je m'entraînais pour pouvoir signer le contrat pro. Et comme tu dis, il y a une pression aussi supplémentaire, parce que quand tu es dans un centre de formation et tu es le frère d'eux, on te dit, oui, toi, tu vas signer pro parce que tu es le frère d'eux. Ouais. Alors que pas du tout. Donc, tu dois travailler deux fois plus pour montrer que tu mérites d'être là. Donc ouais, il y a une pression supplémentaire aussi. Saison 98-99, ouais. Tu deviens enfin pro, tu fais tes premières apparitions, ouais. Notamment avec Boomson pour les plus jeunes, ouais. Qui peuvent peut-être connaître. Ouais. Et derrière ça, pendant 4 ans, tu joues de plus en plus. Ouais. Toi, comment tu as pris ce passage, cette évolution, le fait d'être finalement pro, comme tu disais, et justement le fait de petit à petit devenir titulaire, avoir une place plus importante dans le club, dans le projet? Voilà, quand on travaille, t'es récompensé, c'est comme toi, tu travailles, à la fin du mois, t'es payé, tu vois ce que ouais, je veux dire. J'espère. Donc moi, je bossais parce que j'avais des lacunes par rapport aux gens qui étaient déjà au centre de formation. Moi, j'ai jamais fait de centre de formation parce que avant ça, j'ai été rejeté 3 fois. Ouais. Ils ont pas voulu moi au centre de formation. Pendant... J'ai fait 3 essais, ils ont pas voulu moi. T'es 3 fois, ouais. Ouais. Et la quatrième, quand Jean-Marc Nobilo, ouais. Qui est venu, j'ai retenté, mon grand frère m'a... Ouais. Parce qu'à la base, ça y est, je voulais plus, 3 fois, tu ouais, dis, c'est ça y est. C'est comme quand tu feras 3 fois le permis, non. Exactement, c'est bon, je vais l'acheter. Là, le foot, tu peux pas l'acheter, ouais, c'est pas ma c'est vrai. Et donc Nobilo, il est venu et il m'a dit, bon, écoute, toi, t'es un joueur qui m'intéresse énormément, mais malheureusement, le... Là, on est complet, quoi. Mais ce que je te propose, c'est que tu t'entraînes toute l'année avec nous et le week-end, tu vas jouer dans ton club. Au moins, ça te prépare à l'année prochaine. Mm. Donc déjà, j'avais un peu de retard sur les jours de formation. Donc, il fallait que je travaille plus. Et un jour, il y avait un pro qui était blessé. Mm. Il n'y avait plus de défenseur. Il y avait un suspendu, un blessé, je crois. Okay. Et j'étais là. C'était ta chance. Et voilà. J'ai fait l'entrée pendant que le PSG. Ah c'est ça, ouais. C'est bien ça, tu ouais. T'es bien renseigné sur toi. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment ça. C'est ma première entrée, mes premières minutes en Ligue 1, c'était contre le PSG. En fin de saison. Ouais, là, c'est ça, exactement. Et après, j'ai fait ma première titularisation d'après contre Auxerre.
contre Bernard Diomède et ça s'est super bien passé. Ok. Ouais. Lui, il était un champion du monde. Ouais, ouais. Le coach, il dit, ah, attention, Souli, il faut que tu ailles là-bas. Il m'a fait jouer latéral droit. Je suis là. Ah non, t'es là, c'est une chouette. Ouais, là, papa, là, là, la chance que tu m'as donnée, là. Mon gars, il n'y a personne qui va me la saisir. Je vais la saisir, cette chance. Et donc, ça se passe super bien contre Bernard Diomède, tu sais, champion du monde. Champion du monde. Et après, à partir de là, j'ai pu quitter le groupe, tu vois. Ok. Donc, c'était travaillant et puis ça paye finalement. Et toi, du coup, c'est quoi ton meilleur souvenir de là-bas, de la première apparition? Ouais. Mon meilleur souvenir, déjà, c'était quand j'ai ramené mon premier contrat pro chez moi. Ouais. C'était un fait. Ah ouais. Comme il a dit, le petit, dans ce soir-là, on a mangé du riz. On a mangé du riz. J'ai ramené ça, ma mère a fait du vrai riz. Non, mais c'était, comme je disais, moi, j'avais l'objectif de rendre fier mes parents. Ouais. Donc, quand je ramène le contrat pro, pourtant, c'était un contrat tout bidon, tu as la charte, tout, mais moi, je m'en foutais de ça. Je me suis dit, j'avais confiance en moi. J'avais confiance en moi. Et j'ai appelé mon grand frère pour lui dire aussi, on a signé pro tout. Il fallait pas le signer ce contrat, bien contrat. Il m'a dit, quand j'ai signé ça 5 ans. Ouais. J'ai dit ça, le reste, ça va venir, je sais. Je vais travailler, je sais que. Voilà. Ça faisait partie de mes meilleurs souvenirs. Mon premier match, hein, évidemment. En plus, c'était au parc. Mais petit aparté, toi de base, t'es fan de Paris ou... Non, c'est une petite piège. Avant. En fait, j'aimais bien Paris et Marseille. Parce que Marseille, il y avait Chris Waddle à l'époque. Ouais. Voilà. Quand j'étais petit, Chris Waddle, voilà. Abedi Pelé, tout ça, c'est waouh. Et après, il y avait Mr. George. J'étais fan de George Weah. Oui. Donc moi, quand j'étais Wav, j'avais plus de facilité à aller au Parc des Princes qu'aller à Marseille. Marseille, j'avais jamais été, à part si j'avais jamais joué au foot, je crois que je serais jamais allé. Mm-hmm. Donc à la base, j'étais fan de Mr. George. Tu veux pas dire Paris, tu dis ouais, c'est bon. Donc après le Wav, tu passes par Sochaux. Exactement. Sochaux qui avait terminé 5e déjà. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait déjà ce changement de passer du Havre, ton club formateur, à un club déjà plus établi dans le championnat? J'ai toujours rêvé de jouer la Coupe d'Europe. Mais à la base, c'était bon, la Ligue des Champions, mais voilà. Petit à petit. Tu vois, je te racontais une anecdote vite fait. Je devais aller à Lille avant d'arriver à Sochaux. Ouais. J'étais en route avec mon agent pour aller à Lille. On s'était pas entendu sur le terme au niveau de l'oseille, mais c'était un peu plus que le Havre, ouais, tu vois. Ouais. À l'époque, je touchais 80 000 francs. C'était des francs. Okay. Ah, faut diviser par 7 et tout. Ouais. Ça fait, maintenant, tu regardes, ça fait 15 000. 12 000. Ouais, un peu moins. Ouais. Un peu moins, ouais. Tu vois, 12 000. Mm. Ouais. C'était bien. Ouais. Et Lille, il me proposait 110 000 francs. Okay. 15 000, allez, 15 000 euros. Ouais. Pas de prix ou tout. Je dis, bon, vas-y, je vais, mais vas-y, j'étais pas. T'as pas motivé. On était sur la route, le Havre, Lille. Hein. Ouais. Roger Boulay m'appelle mon agent. Il me dit, Soulé, il y a Sochaux qui te veulent. Il te donne 230 000 francs, tu as une prime, tu joues la Coupe d'Europe, j'ai dit à mon gars, fais demi-tour, on va à Sochaux. Ah, parce que là, c'est du riz avec les sauces. Non, mais là, c'est la Coupe d'Europe, l'oseille, avec tout ce que je voulais. Okay. Donc, on arrive vers Lille, avant Lille, à peu près. Après la sortie, DJ. On est reparti, on a fait demi-tour, on est parti à Sochaux. Ouais. Oh, signé et tout, j'arrive dans un club, en plus, ils avaient testé une bonne équipe. Je dis bon, demain matin, je serai là, je serai à Sochaux, tout, il n'y a pas de problème. L'entraîneur Guy Lacombe m'appelle, on va sous les mots, on te veut, on va aller à. Putain, Coupe d'Europe, voilà, ouais. moi je suis. Là, ça y est. Ah ouais, ça y est, t'es parti dans ta tête. Donc voilà, ouais, on te dit Coupe d'Europe. J'ai dit ouais, on y va. Ton expérience pour ton premier match de Coupe d'Europe avec Sochaux, c'était les Dortmund, des Lars Riksen, tout ça. Le grand, la Kohler, tout ça. Ouais. Après, les autres, je connaissais pas. On joue à Dortmund, on gagne 3-0. Là-bas. Hein. Là-bas, on se chauffe, en plus, on a un stade de fou et tout. On les a montés en l'air. Kohler, j'étais là, moi j'avais l'impression. Il y a le Kohler, tout le monde disait, ouais, il fait 2m10. Je lui ai pris tous les ballons de la tête. Tout. Je l'ai mis dans ma poche. Clair. On est rentré, je dis, ah ouais, c'est ça là. Mais tu vois, c'est intense, ça joue vite. À la fin, je dis, wow, je suis fatigué. Alors que, oh, j'ai 23 ans. Ouais, normalement, je suis pas fatigué. Mais la Coupe d'Europe, c'est là que j'ai vu. Et puis, Guilacombe, il me disait, récupérez bien parce que c'est un autre niveau, c'est intense.
Mais c'était un de mes meilleurs souvenirs, ça. Ouais. Pour le match, tu gagnes 3-0. À Dortmund, ça porte tout contre des mecs qui sont déjà établis. Exactement. Ouais. Après, j'ai eu la chance de jouer l'Olympiakos, l'Inter de Milan. Des trucs que tu vois qu'à la télé, à l'équipe du dimanche, à l'école, voilà, ça devient réalité, tu vois. Tu rentres au CP Méa, donc ça, en fait, tu es passé dans une autre sphère. Voilà, et encore une fois, je vois ma famille qui était fière de moi, tu vois. Ils me disaient, bah, tu peux récupérer le maillot à la terre, de moi. À la base, j'aime pas demander, tu vois. Ouais. J'ai pu demander à Yann Collor, parce que mon frère, il aimait bien Yann Collor. Je me suis dit, 3-0, je me dis, allez, casse-toi là. Il me dit, oh, tiens, félicitations. En plus, ces mecs-là, ils la racontent pas. Tu vois, c'est les. Ouais, c'est les stars, mais ils la racontent pas. Ouais. Non, c'était un bon souvenir. Et dans ton parcours à Sochaux, vous gagnez aussi la Coupe de la Ligue. Exactement. Sochaux m'a fait découvrir le Stade de France, où j'ai appris énormément. Bah, à Sochaux, j'ai appris énormément. J'ai progressé énormément grâce à Guy Lacombe. Bah, le Stade de France, mon premier titre en tant que footballeur, et l'Europe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc, Sochaux, c'est, pour moi, c'est. C'est une place importante dans ma carrière et même dans ma vie. Ah, on peut même dire que tu es une légende de Sochaux, du coup. Légende, je sais pas si c'est une légende, mais bah, apparemment, j'ai marqué certains esprits là-bas. Donc, je sais pas si on appelle ça des légendes, mais en tout cas, ils m'ont donné la possibilité de réaliser, entre guillemets, mon rêve. Ouais. Donc moi, je me devais sur le terrain de me donner à fond pour rendre la confiance qu'ils m'ont offert. Tu signes à Charlton. Ouais. Première ligue. Ouais, d'ouf. Meilleur championnat du monde, d'ouf. Le plus intense en tout cas, à l'époque, je me rappelle pas. Je sais plus si on le considérait déjà comme, comme le meilleur, mais en tout cas, c'est le plus intense. Ouais. Malgré tout ça, parce que je suis arrivé fin du mercato. Ouais. Moi, le coach qui m'a ramené s'est fait virer au bout de 2 mois, je crois. Après, il y avait l'entraîneur adjoint qui était là. Donc, au début, ça va, ça a commencé, mais j'avais le temps d'adaptation. Ça n'a rien à voir. T'as pas le temps en plus en Angleterre, je pense que ça va très vite. Oh, tu voyais même les bartous, les cochons, tu vois. Moi, je croyais que c'était comme en France, tu vois, ça joue, bon. Il n'y a pas de faute là-bas. Ouais, non. Je me faisais bousculer à droite, à gauche, je comprenais pas. J'ai mis au moins 4 mois avant de. Mais t'as vu, toi, dans ta carrière, t'as une réputation de joueur quand même sur son nom. Ouais, c'est vrai, mais en Angleterre, je te jure que ça passait pas du tout. J'avais pas du tout. J'étais. Parce que j'allais dire, tu vois, mais. Waouh, pourtant, j'étais méchant à l'époque. Mais en Angleterre, rien du tout. Parce que c'est moi, je me faisais mal. Ok. Ce que j'ai compris maintenant, parce qu'une fois j'avais envoyé un pack et j'ai vu le joueur, il a dit jouer. L'arbitre il dit jouer. J'ai dit ok, bon, ça joue comme ça. Et là j'ai commencé à me mettre en mode joueur anglais, tu vois. En plus, quand ça tac là-bas, les supporters. J'avais pas compris ça, j'étais bête. J'étais bête. Et après, il y a le Yann Doui, non pas Yann Doui, Alan Pardew qui est venu. Ah. Lui du jour au lendemain. Pourtant, je commençais vraiment à monter en puissance. Il est arrivé, boum, de titulaire, il m'a mis tribune. Mais tu veux vous parler de ta relation avec lui, vite fait ou... Ouais, non, j'ai pas de relation avec lui. J'avais discuté de lui, complet. J'avais pas d'affinité avec lui, je parlais pas avec lui. Ouais. Du jour au lendemain, sans me convoquer ou le lendemain, tu vas me voir, tu dis bon, écoute, il y a eu ça, ça, moi, tu fais pas partie. Je préfère un entraîneur qui vient, qui me dit. Je compte pas sur toi, tu vois, au moins t'es honnête, ok, je respecte ton choix, c'est un choix, il y a un choix, tu peux pas plaire à tout le monde, tu vois, ok, il n'y a pas de problème, si tu trouves un club, je te laisse faire, ok, au moins ça c'est honnête, et l'autre, un match, deux matchs, trois matchs, je me souviens, il y a un match où il y a Mamad qui est venu me voir, on joue contre Liverpool, il m'a mis tribune, il est venu avec mon agent, et là j'ai dit, ça sur quand je me bats. J'ai dit, je sors du stade et jusqu'à que maman il m'a retenu parler. J'ai dit, je peux plus. Il perd 4-0 et je crois que les deux défenseurs, je crois qu'ils ont pris un rouge. T'as pas le choix. Par hasard, il y a ton choix à ce moment-là. T'as pas le choix. Ouais. B, j'ai dit, Joe, c'est là la chance que tu me donnes là. J'ai dit, tu vas voir. Aston Villa ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Et on gagne. Bing, but, 2-0, tout, pas de but. Et je crois qu'ils avaient pris 2 matchs les deux. Match d'après, on rejoue. Boum. On gagne, pas de but vite. J'ai dit non, il peut plus me sortir maintenant. Tu sais. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de matchs jusqu'à qu'à la fin, il a vu que ça allait plus avec les autres. Il m'a mis jouer. Il a assisté moi. On a fait, je sais pas combien de matchs avec clean sheet ou t'as vu. J'ai même été élu meilleur défenseur du club de Charlton de la saison, tu vois. Ça, c'est son plaisir. Alors, j'ai fait que 20 matchs, même pas, je crois, 23. Ah, quand même. J'allais dire 15-20, mais
Mais voilà, j'avais pas de relation particulière avec lui, je m'entendais pas du tout avec lui, je l'aimais pas, il m'aimait pas, je l'aimais pas. Ouais. Non, c'était clair, il n'y a pas de truc. Mais le pire, c'est que quand on descend, il me dit « Non, je veux que tu restes là, je veux que tu sois mon capitaine maintenant. Ah, » Moi, je veux être mon capitaine en D2. Il était fou, toi. Mais maintenant, j'ai une autre question. C'est la vérité, c'est vrai. Joe. Mais toi, je pense que quand tu pars en Angleterre, à l'époque, c'est un tremplin, je pense. Exactement. Mais t'as pas eu l'opportunité d'aller... J'ai eu l'opportunité, mais il m'a mis des bâtons dans les roues. En fait, j'avais Aston Villa, West Ham, et je crois que c'était Newcastle en pourparler, mais c'était pas... C'est des clubs qui étaient pas mal pour l'époque. Bien sûr. Pour la base, moi, quand j'ai été à Charlton, j'ai dit, saoulé, dans ma tête, j'ai confiance en mes qualités. Je vais aller. Ça va aller, c'est juste un tremplin pour pouvoir aller dans un autre club, tu vois. Petit petit voilà. Et Alan Pardew, c'est vrai, c'était quelqu'un qui était quand même constant en Angleterre, tu vois. Dès qu'il y a un club qui parlait, non, et lui, là, non, il aime ça, il aime la fête, il aime ci, il aime ça. Il m'a descendu ma grand-mère. Ok, donc. Et puis à la fin, il voulait pas que je parte, hein. Il voulait que je reste en D2, je sois son capitaine. Il se fout de ma gueule. En fait, il veut tuer ma carrière. Mais c'est ça. Ah, mais après, t'as vu, tu es grand. Yeah. Je vais pas rester ici, j'en ai rien à foutre. Il m'a dit tu joueras pas en Angleterre, j'ai dit j'en ai rien à foutre de l'Angleterre. J'ai dit j'en ai rien à foutre, je veux retourner dans mon pays, je veux retourner en France, je m'en fous de l'Angleterre. Après Bordeaux est venu et puis voilà. En fait Bordeaux c'était vraiment la lumière au bout du tunnel. Enfin de ouf, ouais. Mais ça sort. Après il y avait d'autres contacts, mais il y avait de l'Olympiakos, mais ça, pourquoi ça s'était pas fait? Entre les commissions, entre le papier, le papier. Bon après il y avait Sochaux et puis il y avait Bordeaux et Lens. Ouais. Donc pas photo de Laurent Blanc, Jean-Luc Gassé, il m'appelle, Soulé, Laurent Blanc il t'appelle. Oh Laurent Blanc, champion du monde, bah ouais. Direct. Ouais. En plus c'est une belle équipe qui se met en place à cette époque. De fou. Ça veut dire que tu arrives à Bordeaux, tu découvres un peu notre chaleur du sud. Il pleut beaucoup quand même. Ouais, il pleut beaucoup. Comme je dis à Lou, je crois que je me suis trompé de sud. Lui croit qu'il parle de Miami. Respectez Bordeaux. Bordeaux c'est très belle ville. Du coup, t'atterris à Bordeaux, t'arrives, et ça se passe mal au début. De fou. Ça se passe mal de fou. Mais de fou. En fait, il fallait que je me réadapte au jeu français. Je faisais un truc, c'est faux, toi, carton, voilà. Parce que les deux, trois premiers mois, je comprends plus, j'arrive plus à jouer au foot. Donc j'appelle mon agent, j'appelle maman, voilà, je sais plus jouer au foot. Donc je vais arrêter, moi je peux plus. C'était abusé, je sais pas, tu te souviens. Chaque match, il y avait un but, c'était à cause de moi. Je me souviens très bien. Et tu connais, moi là-bas, je suis arrivé un peu, un match, deux matchs, trois matchs, un mois, deux mois, trois mois. Mais t'es malgré ce passage, t'as toujours la confiance des coachs. J'ai la confiance, j'ai la chance, parce que comme il me disait Jean-Luc Gassé, il savait, il connaissait mes qualités, il avait confiance. Jusqu'à qu'il m'a convoqué une fois. On a parlé français et on s'est enfermé dans le bureau, il m'a parlé et voilà quoi. C'est là. Le renouveau. Bah ouais, parce que il ne me reconnaissait plus, tu vois. Il me dit, oh, c'est toi qu'on a recruté ou c'est ta grand-mère qu'on a recruté, tu vois. Oh, en tout cas. Tu vois, mais il me rentrait dedans, tu vois. Mais c'est, moi je savais, j'avais besoin de ça. On a bien discuté, souviens, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a pas, qu'est-ce qu'il y a changé chez toi, moi. Je lui ai tout expliqué, tu vois. Et lui, il m'a compris. Et puis voilà. On est chauffé, et après, c'est parti. On va pas raconter la même chose parce qu'on la connaît déjà. Ouais, on la connaît parce que lui, mais voilà, lui, il savait. Moi, j'ai été là-bas avec mon agent. Il me disait, sois sérieux, là, c'est Laurent Blanc. T'as vu Je dis, vas-y, quand j'allais, t'inquiète pas, c'est fini. Je chante plus, je vais. Vas-y, plus je t'ai nul. Après, j'ai plus rien à faire, je suis nul. Je vais reprendre ma vie de bâtard, en fait. Ouf. Et Gassé m'avait donné l'autorisation. Il m'a dit, arrête de changer de truc. Toi, t'as besoin de ça, t'as besoin de ci. Va. Et je te jure qu'à partir de là, je me suis lâché. Et après, je suis monté en puissance. Tu vois. De toute façon, tout comme le reste de l'équipe, en vrai. Ouais. Bah, c'est vrai. Donc après, ça fait titre. Non, voilà, on a fini deuxième. La deuxième année. On a fini deuxième derrière Lyon. Ouais, et la deuxième année. La deuxième année, ça fait titre. Ouais. Et déjà la Ligue des Champions, tu découvres la Ligue des Champions déjà. Exactement. Bordeaux m'a fait découvrir la Ligue des Champions. Bah putain, ça faisait des frissons quand t'entends la chanson. Ouais. Ah ouais, parce que j'arrivais à atteindre mon but parce que je me suis dit putain, je vais jamais la jouer. Sochaux, ça allait pas. Charlton, puis ça se passe pas bien. Ouais. Là, bing, Bordeaux. Là, Bordeaux m'a offert mon rêve.
Mais en plus, quand vous allez en Ligue des Champions à l'époque, vous êtes réputé pour avoir un des plus beaux jeux d'Europe. Et même généralement, quand on parle du beau jeu dans le foot français, à votre époque, elle revient. Tu sens ce petit truc où les gens ils vous respectent ou pas encore vraiment au début? Ils savaient qu'il y avait des très beaux joueurs, ça jouait bien au ballon, mais voilà, c'est une équipe française, ils jouent bien chez eux, tu vois, comme ils disent, ils jouent bien dans leur championnat en Ligue 1, mais ici c'est. Attention, c'est un autre level, la Ligue des Champions. Ça a surpris plus d'un, tu vois, je pense à la Roma, on les avait montés en l'air ici, non, Chelsea nous ont tués. Eux. C'était grand Chelsea aussi. Ah ouh là là, Nicolas, ouh. Et puis en plus t'as dit que Nelka c'est un des joueurs qui a le plus impressionné. Il était en feu. Mais je savais qu'il était fort, mais pas à ce point là, ah, tu vois. Mmh. Tu sais, j'ai rencontré des gens forts, mais lui il est fort fort. Tu vois ce que. Ouais, je vois. Il est fort, puissant, technique, il va haut, il court vite, un droit. Bah premier match, bah alors un match aller, nous avons 4-0, je crois, il a mis doublé. C'est au match retour, on a fait 0-0, mais. Ouais, je connais, il jouait, mais. C'est au sport 2, quoi. Ouais, en plus, tu sais, quand tu joues contre, entre guillemets, les petites équipes, t'as même pas envie. Ouais, ouais. C'est la Ligue des Champions, mais. Nous, pour eux, on est des petits, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Mais c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur d'entendre la première musique. Et c'est Bordeaux qui m'a fait découvrir la Ligue des Champions, effectivement. Et l'année d'après, du coup, vous faites doubler. Ouais. Vous faites coupe avec les champions triplés. On fait des champions. Oh, moi, pour ça, je m'engage. Non, non, c'est un trophée. Quand t'es joueur professionnel, il y a un trophée au bout, tu l'as, t'es content. Parce que là, vous voulez sur la Ligue 1. Ouais. On est sur la Ligue 1. Mais c'était pas. Au départ, c'était pas bien parti. Hein. Je sais pas si tu te souviens. Hein. C'est après la défaite à Toulouse qu'on a enchaîné 11 victoires d'affilée qui a fait que on est parti en tête de championnat. Ouais. Mais au début, c'était comme si comme ça. Hein. C'est quand on a fait la vraie réunion, on s'est dit les quatre vérités. Et qu'est-ce qui n'allait pas justement au début entre le début de championnat et cette réunion? On est fini deuxième la saison d'avant. On croyait que ça allait être comme ça, tu vois. Non, au football, toute l'Espagne, il faut se remettre en question. Et peut-être on s'est fait un peu trop beau. Et puis, quand tu te la racontes, bah, tu fonces dans le mur, en général, tu vois. Donc, jusqu'au jour où on perd le derby contre Toulouse, on perd 3-0 là-bas. Le lendemain, au décrassage, on n'est pas sorti. On a fermé la porte à clé, on s'est dit les quatre vérités. Et à partir de là, voilà, on est parti 11 victoires d'affilée jusqu'à qu'on fait des champions, tu vois. Il y a rien qui pouvait les aller, le but de Gourcuff comme PSG. Ouais, exactement, à Samy, si tu regardes, tu te souviens. Mais j'ai une question, je crois que cette année-là, vous battez avec Marseille plus ou moins pendant Exactement. Et toi, sachant que Mamadou, c'est comme ton frère, ouais. À ce moment-là, vous chambrez, il y a une petite animosité quand vous croisez sur les terrains, ça se passe comment? Ah non, mais lui, c'est énorme. Tu sais, nous, sur le terrain, moi, j'ai pas de potes. Ouais, 90 minutes, c'est mes potes, c'est les 11 qui jouent là. Ouais. Plus le banc, tu vois. Frère, daron, pote, tu joues contre moi. S'il y a un tas qui doit passer, il passe. Là, c'est ma famille qui en joue. Tu vois ce que je veux dire, c'est ma prime. Ouais. Tu vois ce que. Mais non, mais c'est comme moi. Demande s'il est devant moi, il va pas avoir pitché. Ouais, il va éliminé à marquer un but, un petit pont, un truc comme ça. Donc, il le sait, même sur plusieurs matchs où je rentre dedans, moi. Je regarde pas si c'est ma mère ou pas ma mère. Ouais, mon pote, pas mon pote. Ouais, ouais. Moi, je suis là, j'ai un match, il faut que je gagne ce match-là. Maintenant, mon père, ma mère, moi je joue pour gagner. Quoi. Ouais. Si tu veux pas de problème, ben à l'autre côté. L'autre côté. La vie elle est simple. Mais moi je voulais revenir sur un de tes buts contre le PSG en demi-finale. Ouais. Balle piquée. Putain. Non, les gens ils étaient surpris. Moi j'étais pas surpris. Moi j'étais pas surpris. La célébration, on voit. Pour toi c'est normal. Non, c'est normal, Joe. Moi j'étais attaquant avant. J'étais attaquant. Les gens ils veulent pas comprendre que j'étais attaquant. Avant de rentrer au Havre, je jouais attaquant. C'est Jean-Marc Nobilo qui m'a mis derrière là-bas. Okay. Bon, il a bien fait, mais il me restait des restes. Parce qu'en plus c'est la fin du match. C'est la fin du match, je dis bon il n'y a plus rien à perdre, contre-attaque, Jussier qui part, il met externe. Ah, ouais, t'as vu, il revenait un peu, ouais, il revenait un peu. Et je vois Landro. Landro c'est ma victime. Mais. Mick, touk. Non, mais Mick a essayé parce qu'à chaque fois quand je contrôlais, je marquais. Tu vois. Ouais, c'était un but de fou, hein. Donc la deuxième fois Stade de France et ça gagne. En fait, ça réussit le Stade de France en fait. J'ai jamais perdu au Stade de France, c'est vrai. J'ai fait parce que 4 fois. Ouais, chaud. Marseille 2 fois aussi. 3 fois. Non. Marseille t'as fait 2 fois la Coupe de la Ligue.
trois fois Marseille, non? Combien? J'ai cinq coupes de la Ligue. Ouais, t'en as cinq, ouais, donc t'as fait trois fois. Trois fois Marseille, ouais, une fois Bordeaux et une fois Sochaux. Ouais, donc t'as pas ça là-bas. Non. Au niveau du management, c'est pareil. Ils savent comment te parler. Au niveau des entraînements, c'est les mêmes. Coup de ballon. Ouais, y a pas de différence. Pas vraiment tu vois, différence. Tu sens que c'est des mecs, ils sont là, ils mettent dans la tête qu'il faut toujours gagner. Tu vois. Ouais. Gagner, l'esprit gagne. J'ai retrouvé ça aussi, même quand je suis allé à Marseille avec Didier Deschamps, tu vois. Une fois, j'avais dit, coach, mais avec Laurent Blanc, vous avez fait les mêmes études, comment ça se passe? Ouais. C'est le même état d'esprit, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont fait des grandes carrières. Hein, et ils font les mêmes en tant que joueur et en tant qu'entraîneur aussi, tu vois. Donc il n'y a pas de hasard dans le foot. Il n'y a pas de hasard, non, c'est vrai. Mais toi, justement, comme tu as dit, j'ai des chances et une réputation de vainqueur. Mais sauf que toi, quand tu arrives à Marseille, ils ont fait une longue période, ils n'ont pas gagné de titre majeur. Ils prennent l'Intertoto, je crois, à un moment donné. Mais à part ça, rien du tout. Après, pas de championnat depuis. Non, je crois que c'est pas en finale de l'Intertoto. Je crois, je sais plus s'ils ont gagné ou ils ont perdu, mais ouais. En gros, ils ont pas pris. Ouais, ça faisait 18 ans. Voilà, ça faisait 18 ans. Ouais, exactement. Toi, quand tu arrives, est-ce qu'ils te disent, ok, Souley, il faut que tu viennes pour le titre tout de suite? Ou est-ce qu'ils disent, on voudrait bien t'avoir pendant 3-4 ans pour essayer de l'avoir sur une plus longue période? Ils ne m'ont même pas parlé de ça. Moi, je suis arrivé le 2 juillet. Ils étaient déjà en stage. Donc, quand tu m'appelles, tout, moi, Souley, je compte. Je te veux, tout, tu vois, le truc banal. Quoi. J'arrive, je dis, bah ouais, moi aussi, je veux. Je veux rejoindre l'Olympique de Marseille. Bon, déjà, il y a eu des embrouilles après avec Bordeaux, parce que j'ai quitté le président, le coach, il voulait pas. Donc, quand j'arrive, je les rejoins en stage. Après la visite médicale, je les rejoins en stage à Divonne-les-Bains. Bon, le coach, il est bien, bon, ça va, Souley. Il me dit juste, t'es prêt pour gagner? Comme ça. Ah oui, je suis là, c'est pour gagner. Voilà. Mais il me dit pas le championnat, tu sais. À mon avis, ils avaient déjà parlé de ça, de l'objectif, parce que moi, il vient, ça. En plus, je suis arrivé en même temps que Lucho et KBNZ, je crois, on est arrivé les trois en même temps. Ouais, c'est ça, on a parlé, tu vois. Bon, est-ce que t'es prêt à gagner? Ça a duré 5 minutes, hein. Je dis, ah, moi, je suis chaud. Allez, c'est bon, mettez quoi, on va t'entraîner. Voilà. Mais je sais que dans sa tête, c'est gagner. Parce que même à l'entraînement, tu vois qu'il encourage tout le monde à gagner les jeux, les petits jeux. Comme Laurent Blanc. Ok. Donc, je me doute que si t'arrives à Marseille, qu'il finisse deuxième l'année. C'est pour jouer le titre, mais ils veulent pas le dire à haute voix. Ouais. Tu vois, ça reste en interne. Donc toi, fin de saison, vous êtes champion de France, tu fais le back-to-back Ligue 1, Bordeaux-Marseille et pareil pour la Coupe de la Ligue. Ouais. Je pense que tu es un des rares mecs dans l'histoire de la Ligue 1 qui a fait ça. Ouais. Est-ce que tu te rends compte de cet accomplissement ou pour toi, sur le coup, c'est... Bah, moi je me rends pas compte en fait, sur le coup. Parce que moi, si on m'avait pas dit, ouais, toi, je suis là, je vais gagner des titres. Mm. Mais c'est après, quand je fais plusieurs interviews, que les gens me le rappellent. Mais c'est vrai que sur le coup, je fais pas attention. Oui, titres avec deux années de suite, avec deux clubs différents. Ouais, bon, c'est bien, tu marques le truc, mais perso, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est gagner. Ouais. Que ce soit avec les blancs, les bleus, les rouges, les noirs, je veux gagner. Je veux gagner des titres. Voilà. Donc je fais pas spécialement attention à ça. Exactement. Mais toi, du coup, derrière, sur les saisons suivantes, je crois, vous prenez deux autres coupes de la Ligue avec Marseille. Ouais. Et à un moment donné. Trophée des champions. Trophée des champions aussi, excuse-moi, parce que c'est vrai que c'est un trophée qui te tient à cœur. mais derrière, entre temps, à un moment donné, tu te blesses pendant un match. Ouais. Derrière ça, tu joues un peu moins. Ouais. Marseille gagne moins, il n'y a plus de titres. C'est le bordel. C'était l'année où je crois que DJ Deschamps s'était viré, je crois. Mm. En 2012, les croisés, tu as la fatigue parce qu'on avait enchaîné Coupe d'Europe, Coupe de la Ligue, on était qualifiés sur tous les matchs. Même sur les premières saisons, tu jouais quasiment tout le temps. Je jouais tous les matchs. Et après, bah, je pense que c'était l'accumulation. Je crois que je suis l'un des joueurs les plus utilisés avec DJ Deschamps, tu vois. Ouais. Et bon, après, l'accumulation, la fatigue. Ça allait plus. Je crois que même mentalement, il y en a beaucoup qui ont lâché. Dans le vestiaire, j'ai senti qu'il y en a qui ont lâché DJ Deschamps aussi. C'est après quand tu tires plus dans le même sens à l'autre qui veut la tête de Deschamps, l'autre qui veut qu'il reste. Ouais, c'est le bordel. C'est le bordel, ça allait plus, tu vois. Donc c'était une mauvaise période. À partir de l'année 2012, ouais. On va dire c'est parti. Ouais, parce que tu jouais de moins en moins. J'ai perdu ma place, chose qui est normale.
quand tu reviens d'un croisé, tu mets 6 mois, 7 mois, après il faut 7 mois pour retrouver ton niveau, mais entre temps, il y a des joueurs qui arrivent, ils font leur match, tu peux que fermer ta bouche et accepter, tu vois. Même si tu es un compétiteur, c'est à toi de bouger, mais après il y a les choix du coach, le coach il préfère tel que toi, donc tu respectes, tu vois, c'est le jeu, c'est le jeu. Toi, j'ai pris la place aux gens, il y a les gens qui prennent ma place, tu vois ce que je veux dire. Ça fait partie du jeu, donc voilà, moi, je le prends pas mal, je l'accepte, je continue à travailler, je me suis dit, je sais que ça va payer, mais bon, après moi je prends l'âge aussi, tu vois. Et voilà, bon, même le président, il m'a offert une année en plus, parce qu'il était content de moi, je vois le mec a crié, ah non, ouais, pourquoi je joue pas, hey, je joue pas parce que je suis pas bon. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Voilà, bon, après j'ai été au terme de mon contrat et ils ne m'ont pas renouvelé. Après c'était un peu normal aussi parce que c'est vrai que je ne jouais pas beaucoup et les joueurs que je jouais pas, c'était hyper pour moi. Ouais. Mais juste une dernière question sur l'OM. Toi, à ce moment-là, quand ils décident de ne pas renouveler ton contrat, tu estimes que tu avais le niveau pour rester à l'OM ou... Je pense que je à ce moment-là, toi, tu estimes que ouais, si on te laisse le temps, tu pouvais tout faire. Ouais, parce que je pense que vers la fin, quand même, je crois que c'était. Lui aussi, c'était une personne aussi qui parle beaucoup de moi parce qu'il m'a beaucoup parlé, parce qu'il m'a donné le brassard. Ouais. Et moi, tu sais, moi, quand t'es bien dans ta tête ouais, avec un coach, tu sais que le coach, il te suit, tu meurs pour lui sur le terrain. Donc, quand je commençais à remonter, mais bon, c'était vers la fin de saison, donc. Mais je pense que j'aurais pu encore continuer, mais bon, c'est comme ça. Après, je suis bien tombé à Nice aussi. Juste, excuse-moi. Non, vas-y. Juste une vraie dernière question. Excuse-moi. Quand ils retirent le Hall of Fame, ouais. T'es le premier maillot retiré, il me semble. Apparemment, j'étais le premier. T'es le premier maillot retiré, t'es un peu comme Michael Jordan ou Bulls. Toi, à ce moment-là. Toi, le Romain, il est toujours obligé. C'est ça le problème pour moi. C'est ça qu'on peut pas avancer. Non, carrément, fais doucement. Michael Jordan, il sort. Toi, à ce moment-là, bon, c'est pas comment. Tu sais, je vais te dire un truc. Ouais. Je sais même pas ce que ça veut dire Hall of Fame là à la base. Ouais, toi, tu t'es dit que c'est raté. J'ai dit, on va retirer ton maillot. J'ai commencé à me retirer mon maillot. Je comprends pas, moi. Je comprenais pas. Ouais, il y aura plus personne qui va porter le 21, tout, là. Qu'est-ce qu'il me raconte dans ma tête, tu vois. Tu sais, mais je suis le mec rigole, je souris, tu vois. Donc j'arrive chez moi, je suis avec mes petits frères. Je ne t'entends pas la connerie qui sont en train de sortir, ils vont retirer mon maillot, je sais pas quoi. Ça va changer quoi, mais à la base, moi, je savais pas que c'était c'est la même reconnaissance. Mais bon, j'ai appris ça après, on m'a dit 2 ans après, il a remis. Oui, je sais pas quoi. Soi-disant, c'est les Américains qui ont acheté, ça n'a plus rien à voir avec eux. Mais tu penses que c'est pas par rapport aux propos que tu avais tenus sur la brune à un moment donné, je crois. Tu avais plus ou moins critiqué ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas critiqué, je lui ai dit. Enfin, du moins, tu as dit ce que tu pensais. Exactement. J'ai dit, bon, peut-être tu m'as fait ça pour pas que je prolonge en fait. Après, s'il a pris ça en tant que critique, mais. Non, parce qu'avec Vincent, je m'entendais super bien, donc je pourrais jamais dire du mal sur lui. Je dis les choses que. Non, comme je suis ressenti. Voilà, exactement. Je pense qu'il a fait ça pour. Parce que tout le monde me disait, mais il faut qu'il prolonge. Dans les journaux, ouais, il faut qu'il prolonge. Mais lui, je sentais qu'il. Il était pas trop chaud. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des finances aussi, ça. C'était un peu tendu, tu vois. Mais je m'entendais super bien avec lui. Mais... Il n'y a pas de problème sur ça. Après, peut-être. Ah, il était vexé, Vincent. Ah, parce que j'aurais pas que j'en vexé. J'ai l'impression que ça a joué, hein, parce que je pense pas qu'il est vrai, il avait besoin du numéro 21. Non, mais vrai, la boule n'était plus là, lui. C'était les Américains. Ah, c'est les Américains. C'est les Américains qui avaient racheté. Et c'est les Américains qui ont. Ah, donc j'imagine. Voilà. C'est bah, non, c'est pas Vincent Labrune. Okay. Non, Vincent Labrune, lui, c'est lui qui a eu l'idée d'enlever le maillot. Ouais. Mais le remettre, c'est parce qu'il y avait des Américains qui ont ma tour, t'es tout ça. Tout cette connerie, là. Ouais. Donc, du coup, t'as atterri à Nice après. Ouais. Une quinzaine de matchs. Ouais. Après, on va pas rentrer dans les détails. Pourquoi tu le dis quoi? Je te le dis. Direct. Non, tu sais, on n'est pas coton, on dirait. J'étais en prison. Ouais, c'est vrai, parce qu'en plus, je devais prolonger là. Putain. Bah, je viens fournir. Je veux que les prolonger, moi. Je veux que prolonger. Là, mais après, voilà, j'ai fait une connerie d'enfant, on va dire.
Ça, c'est un mec, en gros, il t'a... Ouais, il m'a carotté un peu, tu vois. Enfin, un peu beaucoup, même. J'ai rencontré un mec à Saint-Tropez, au Nikki Beach. Mais franchement, ça s'est super bien passé, tout. Avec lui, sa femme, présente ses enfants, tout. Il vient au stade, tout. Il a confiance de ouais, fou. De fou. Ouais, c'est un métier, je sais pas, c'est un métier, c'est trop. Donc, moi, tu sais, moi, Dieu voit tout comme je disais. Yeah. Dieu te donne de l'argent, mais tu veux toujours gratter. Mais moi, je voulais me faire gratter lui aussi, comme ça, un garagiste. Je me suis dit, bon, tiens, on va lui donner un peu de force. Tiens, je vais t'acheter une voiture là-bas. Et en plus, il me fait un prix. Bon, tiens, je lui passe l'oseille. Alors qu'avant que la voiture arrive, je lui donne tout l'oseille déjà. L'erreur. La voiture n'est jamais arrivée. Ouais, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Je l'appelle, je dis, mais frérot, ma voiture, en fait, tu me la ramènes quand, toi? Ça fait 1 an. Oui, attends, oui, ça, parce qu'il faut reparler les gens, non, il faut remettre. Truc d'imbécile, on est pour un con à un moment. Et après, en plus, c'est même pas. Comme je dis, j'étais en prison, mais c'est même pas. Dans ce cas-là, ils auraient dû me taper, tu vois. Ouais. Parce que j'ai dit à mon petit frère, si je suis pas fou pour envoyer mon petit frère, si demain il y a une mission à faire, pour envoyer mon petit frère, tu vois. Ouais. Moi, j'ai dit à mon petit frère, parce que mon petit frère, il le connaissait, lui, il connaissait bien mon petit frère. On va chez lui, tu veux, parce qu'il me décrochait pas mon téléphone. Et je lui dis, allô, Adriano, pourquoi tu me décroches plus mon argent? Tu m'avais dit cette semaine, hein, là. Non, mais non, c'est pas ça, Soulé, mais attends, mais pourquoi tu ramènes tout le monde? Il crie pour que les voisins okay, ouais, pas. Après, ils appellent les gendarmes, ils ont juste relevé les noms. Mais bon, après, j'avais appris qu'il y a quelqu'un qui avait pris. Ils sont rentrés chez lui, qui avait pris le truc, ils m'ont. Il avait giflé un mec, mais je savais pas, moi. Okay. Parce que mon petit frère m'avait dit non. Parce que moi, j'ai averti, j'ai dit, faut pas le taper, faut pas le truc, juste qu'il me décroche. J'ai dit ça à mon petit frère, mon petit frère est parti avec ses potes parce qu'il est sorti du chantier. Okay. Donc, ils ont enchaîné direct. Mais j'ai pas envoyé comme j'entends parler, j'ai envoyé une équipe, comme si j'étais un gros voyou. De toute façon, si t'avais envoyé une équipe, il m'aurait pas juste gifler en vrai. Exactement, ça aurait été plus loin. Ouais. Donc voilà, donc 15 matchs, ouais, après, 3 mois tard. Comme de fond. Mais t'es soutenu par le club pendant cette période? Ouais, de fou. Ouais. Bah, de Julien Fournier déjà. Ouais. Déjà Julien Fournier qui voulait pas le président Rivière. Parce qu'ils ont pas voulu, recruter jusqu'à que. Bah, ils attendaient ma sortie, mais après arrivé un moment, je suis sorti le 9 juin. Ouais. Je crois que ils avaient repris plus tôt, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. Je suis sorti le 9 juin. Ils pouvaient pas attendre parce que moi je savais pas, il fallait attendre la saison. Ouais. Moi je savais même pas quand j'allais sortir à la base. Mm. Donc ils ont attendu au 1er juin. Moi, mon agent, quand il vient me voir en prison, il me dit bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Je dis quoi? Il me dit ouais, bon, Nice, ils peuvent plus attendre. Je dis ah, mais frérot, c'est normal, c'est une mauvaise nouvelle. Déjà, ils ont attendu déjà. Julien Fournier, toujours, il a appelé mon agent. Alors ça va soulever le moral, le président, tout ça, tu vois. Et franchement, ils m'ont vraiment soutenu, le GC Nice. Ok. Ah ouais. On a manqué du football. Ouais. Après ça... Ouais, après j'ai arrêté. Ouais. Ouais, j'ai arrêté. J'ai eu quelques propositions, mais... Ah, t'avais plus la motivation. Ouais. Tu sais, après dans la tête, quand t'as plus envie... Ouais. Et... Voilà. Pas des clubs intéressants. Après, j'ai eu toute la Ligue 2 qui m'ont appelé. Ouais. Ça. Voyage en car, tout ça, je suis fatigué. Je peux pas retourner dans ça. Ouais. J'ai galéré pour voyager en car, on va faire des collations dans les bars, tout ça. Non. Attends, tu voulais pas de cette vie-là? Non, c'est dur la Ligue 2, attention, faut pas croire. Non, mais bon, wow, ça, on a compris. Ligue 2, il n'y a pas autant de moyens qu'en Ligue 1. Tu vois, c'est bien compris pourquoi tu voulais pas repartir à Paris. Les 8 heures de car, tout ça, non, t'es fou toi. Ah, tu ne voulais pas dormir à l'heure? Non, jamais. J'ai dit non, on va arrêter. Mais t'as vu, parce que t'es un Sénégalais, faut le rappeler. Ouais. On peut pas t'avoir sans parler de la sélection sénégalaise, parce que sinon il y en a beaucoup qui vont nous en vouloir. Ouais. Tu sais, déjà, la communauté sénégalaise. Les frérots là-bas, tu sais que si tu passes, ils sont obligés d'avoir un petit mot pour eux. Mais première question, toi, quand t'arrives à l'époque dans la sélection sénégalaise, t'arrives après le mondial 2020. Ouais, novembre. Ouais, t'arrives après le mondial, t'as quand même quelques petites années en pro, à ce moment-là t'es encore au Havre, il me semble. Exactement. Quand t'arrives en sélection sénégalaise. C'est quoi tes ambitions? Comment tu vois la sélection à ce moment-là? T'es jeune? Est-ce que tu te dis je suis là pour prendre leur place? Est-ce que t'es là, tu te dis ah c'est les grands frères, un peu de respect, on va apprendre, tu vois le truc comment toi à ce moment-là? Non, il y a un respect, mais c'est le terrain. Moi partout je veux, moi c'est pour jouer. Ouais. Je respecte les grands, tout, il n'y a pas de problème.
Et comme la phrase une fois, comme Benzema il disait, moi, lui il venait ici pour prendre la place des gens, mais ça c'est tout le monde. Moi je vais là-bas, c'est pas pour être visiter les pays, tout ça, je m'en bats les couilles. Mais tu ressentais pas une pression supplémentaire par rapport au fait que ça sortait d'un quart de finale de Coupe du Monde, qu'il y avait... Tu sais, il se passait quelque chose à ce moment-là dans le football. C'était un truc de fou. Plus la finale de la CAN aussi. Exactement, mais moi aussi il y a eu mon choix par rapport à ça, parce que ça sortait de la CAN, la finale, Coupe du Monde, quart de finale, ah, c'était l'euphorie, le Sénégal était en... Ouais. Et là, moi, j'ai eu la chance d'avoir une convocation. Parce que moi, j'ai eu une convocation avec l'équipe de France à Prime. Ouais. Vous vous souvenez? Ouais, c'est l'idée dans les stades d'entraînement. Et l'équipe du Sénégal. Moi, le coach, il me dit, Souley, non, attends, tu vas voir avec la Prime, tu vas voir, tu vas aller avec les 1. J'ai dit, non. Dans ma tête, c'était Sénégal. Ouais. Et en plus, la folie. J'ai dit, non. La France à Prime, non. Mais toi, ça a toujours été l'objectif, ce Sénégal, ou si ça avait été la France Après, je dis ça parce que je sais pas. Oui, finalement, c'est le choix que t'as fait. Je vais pas te dire, non, Sénégal, si la France était venue en premier, voilà, j'ai eu la chance que le Sénégal arrive, en plus au bon moment, j'ai pas hésité une seconde. Voilà, l'équipe de France à Prime ou l'équipe du Sénégal, les A. Tu vas avec l'équipe du Sénégal, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et bah non, non, je suis pas hésité, ça s'est super bien passé, c'était en rassemblement pour aller à la Coupe d'Afrique, Afrique du Sud, après on fait Nelson Mandela, en plus on gagne, je joue, j'ai un bon match, et voilà, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de respect parce que quand je les ai vus, c'est mes anciens quand même, Kali, Fadila, Lamine Diata, Pap Malik, Tony Silva. C'est que des monuments. Ouais, tu vois. Après, toi, c'est vrai que la plupart, tu les croisais sur les terrains de vidéo. Bah oui, exactement. Mais j'ai beaucoup de respect par rapport à ce qu'ils ont fait pour l'équipe du Sénégal. Et leur parcours en Coupe du Monde. Mais moi, mon objectif, c'était je vais jouer pour retourner en Coupe du Monde, tu vois. Avec le respect, hein. Avec le respect, sur le terrain, moi, j'ai envie de jouer, papa. Je suis pas venu là pour être assis sur le banc, tu vois. Et si tu dois retenir un événement ou une anecdote que tu as eu en sélection qui t'a marqué ou un truc assez drôle ou une anecdote quoi, sur ton passage en sélection? Non, tu dois cacher les trucs. Non, il y en a trop. Après, la sélection, c'était un plaisir de se retrouver. J'avais hâte quand on finissait de revenir en sélection tellement il y avait une bonne ambiance. Tu sais, l'Africain est toujours de bonne humeur, même quand ça va pas, il va pas te montrer que ça va pas. Il met ses problèmes de côté, ça rigole, ça se vanne, ça... Il y a que des histoires, des conneries. Et... Non, c'est... La sélection, là, je suis tellement fier d'avoir participé à cette sélection que... Si je pouvais, j'aimerais bien retourner. Ah, ouais. Après, je sais pas si c'est une génération, la même ambiance, mais... Mais c'est quelque chose de... Toi, par rapport au Sénégal, je crois que tu as fait beaucoup de CAN quand même. Ouais, je crois que j'ai fait. 4, je crois que tu as fait 4 CAN. Une demi-finale. Quart de finale. Ouais. On s'est fait éliminer par le pays organisateur. Les pays organisateurs, Tunisie et Égypte. Ouais. Non, tu dis que t'as pensé. Je pense qu'ils ont... C'est un arbitrage maison. Ouais, t'as compris. Il y a 10 minutes d'arrêt de jeu. Des fautes non sifflées. Tout le monde s'arrête. Contre-attaque, but. Des pénaltys non sifflés. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai dit, ah, c'est bon, ça c'est sûr qu'on va pas gagner ici. Là, Égypte-Tunisie là-bas. Non, tu peux pas gagner. Impossible. Tu ne pouvais pas gagner. Pays organisateur, tu ne peux pas gagner. Tu pouvais pas gagner. Non, là, on pouvait jouer une semaine, tu pouvais pas. L'Égypte. Ouais. L'Égypte de Mido là. Ouais, c'était méchant en plus à l'époque. Mais on les a tellement tournés. En plus, c'était à l'époque où ils rasaient tout. Même eux, ils avaient peur de jouer contre nous. Je te jure, les pénaltys, des coups francs non sifflés là, bah, je sais pas, vous avez pas dû voir les images, mais il y a une action où c'est Diomansi qui part. Le mec, quand je te dis, il le monte en l'air. Rien, il a habitué à dire. Ah, c'est bon, là, on a dit, on va arrêter de jouer. Ça ne servait à rien. Tunisie, c'est pareil, on joue contre la Tunisie là-bas. Pays organisateur, des fautes inimaginables. Ils nous suivent des coups francs, des pénaltys. En fait, quand on organise une CAN, ils voient que c'est le pays organisateur qui gagne. Oui, souvent comme ça. Mais là, c'est un souvenir inimaginable dans l'équipe nationale. Du coup, là, on arrive sur la fin un peu, mais je pense qu'on a tous une dernière question qu'on veut tous savoir. C'est important. C'est important. Alors, les gants. J'ai froid. J'ai dit ça. T'as pas que j'anticipais. Oui, j'ai froid. Il n'y a pas de marabout, il n'y a pas de... Regarde, parce que j'ai entendu, j'avais des doigts coupés, j'avais des trucs, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais il était comme hiver. Mais j'avais froid. Il était comme hiver.
Non, en fait, c'était comme je l'ai toujours dit, c'est les footeux, ils sont superstitieux. Ouais, ouais. J'ai fait un match, ouais, bon, je joue contre Marseille, j'ai fait un gros match, je connais la semaine d'après, je veux refaire le même match. Tu vas faire la même chose, tu fais la même chose. Mais en fait, il n'y avait rien, je gardais ça de suspense comme s'il y avait un truc, mais il n'y avait rien du tout, c'était juste... Mais des fois, tu sentais peut-être que tes adversaires, ou je sais pas, les gens, ils ils paniquaient des fois, ils disaient, mais c'est un fou, ça, que là, en plus, moi, je jouais avec des adversaires, je ne veux pas être les prédateurs, tu sais, ouais, voilà, le World Cup, ouais. Tu vois, je m'étais bien noir pour que... Pour impressionner, ouais. Tu vois, et puis, comment ça se fait, tes sponsors, ils disent, ah, tu mets pas les trucs, les rouges, les... chaussures noires. Tu sais, ça fait plus, ouais. Il dit, ça doit être un noir bête, tu sais, il fait 30 degrés, il met des gants, chaussures noires, crampons 18 mm. Pour impressionner l'adversaire. Ah, mais bon, tu sais, tu joues un peu sur l'aspect psychologique, mais bon, c'est pas à tout le monde que ça marche, attention. Comme j'ai dit, j'avais essayé de faire un cœur Ronaldo. Ouais, ça marche. Ça a marché du coup. Ouais, mais tu l'as blessé quand même. Ah, mais un carton rouge, un penalty. Ouais, mais. Ouais, t'as fait un petit. Non, mais. Ah, c'est un petit quoi. Il est trop fort. Ouais. Ce mec-là, je crois qu'ils ont pas le droit de jouer au football. Là, non, c'est trop. Lui, Nicolas Anelka. Je crois que bon, Messi, j'ai jamais joué contre lui. Mais du coup, juste une petite question comme ça, vu que tu parles des joueurs que t'as affrontés, c'est qui le joueur? Peut-être pas forcément le plus grand nom, mais le joueur qui parle plus. Nino Klaas, lui, c'est vraiment le. Hazard aussi. J'ai un coup de pied. C'est un pote à moi qui me l'a refait sortir. Il me l'a sorti ça la semaine dernière, cette tarpe. Ouais. Il a dit ça. Hazard était relou. Ouais. Mais. Anelka et Ronaldo. Vraiment. Ronaldo, Anelka. Mais j'ai l'impression qu'Anelka, il t'a vraiment trop. Lui, t'a sonné. J'ai l'impression qu'il t'a mal dormi cette nuit-là, j'ai l'impression. 4-0, papa. Pas gagner un ballon de match parce que, tu sais, nous, après les matchs, le lendemain, il y a les stats, les statistiques, ouais. Tout le monde s'arrête pour regarder. Moi, je savais, je voulais pas voir mes trucs. Et le coach, il vient, il nous dit, bon, mais non, c'était chaud. Hein. Puis, c'était dur. Heureusement, je faisais pas Ramadan, je serais tombé dans les pommes. Du coup, sur ces mots, on va se quitter. Merci à toi, Soumy. Merci à vous. Bon, merci à vous. Passé super vite. C'est clair. Ouais. On n'a pas vu passer le temps. Du coup, les gars, restez branchés. On a du méchant contenu qui va arriver. Strotini dessus, Money Time Podcast sur Insta, Twitter, TikTok, Facebook. Même chez vos parents, on est partout, les gars. Donc, continue de suivre, on est ensemble.